La diversité est notre futur. Voici le message que l'on peut trouver à l'entrée de la petite ville de Neuruppin en ex-RDA dans l'est de l'Allemagne. Cette commune fait figure d'exception dans une région où le parti d'extrême droite alternatif für Deutschland est très populaire. Neuruppin s'est en effet porté volontaire pour accueillir des migrants du camp de Moria en Grèce qui a été dévasté par les flammes début septembre. Quand on voit les images du camp de Moria, il ne s'agit pas de débattre des grandes décisions politiques. C'est une question de morale. Nous avons la possibilité d'aider ces personnes dans le besoin. Alors pourquoi ne le ferions-nous pas? Selon son maire, la commune dispose de places disponibles dans des foyers de demandeurs d'asile et des logements sociaux. En 2015, Neuruppin avait déjà accueilli des réfugiés, notamment originaires de Syrie. Cette migration a eu un impact positif sur l'économie de la ville. Cinq ans plus tard, de nombreux anciens réfugiés vivent ici avec leurs familles. Leurs enfants vont à l'école. Les parents ont trouvé du travail. À l'hôpital, l'école d'infirmières recrute ses apprentis parmi les réfugiés, car peu de jeunes Allemands choisissent ces métiers de soins. Le gouvernement allemand a annoncé le 15 septembre que le pays accueillerait 1500 migrants du camp de Moria répartis dans 173 communes. Parmi ces villes, 16 seulement se trouvent en ex-Allemagne de l'Est.